Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, l'écologie totale, 100%, l'homme qui n'a plus aucun impact sur la planète, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, la mise en commun de tout ce que, voilà, de quoi vivre tranquillement, c'est la fin de la possession en fait, tout appartiendra à tout le monde et donc il y aura, partout où on ira, on trouvera le gîte, le couvert, voilà. Ça sera comme ça et ça sera une rencontre universelle. Les êtres humains pourront, cette planète étant devenue un paradis, les êtres humains ils circuleront librement et iront à la rencontre les uns des autres. Voilà, ça sera une promenade de vie, quoi, l'existence humaine. Voilà. Donc on va vers cette, selon moi, vers cet état de perfection. Et là, y a quelque chose qui vient de me traverser. C'est au niveau politique, parce qu'il y a toujours une partie qui s'occupe de la vision spirituelle de cette évolution et une partie matérielle de l'évolution. Ce qu'on vit, pourquoi on vit. Ce qu'on vit, etc., avec un esprit critique du moment tel qu'il se passe. Et je pense que d'ailleurs, tout philosophe devrait être dans un esprit critique de la vie telle qu'elle est produite globalement. Alors là, par exemple, ma critique, elle va porter sur les médias. les médias actuels qui, pour moi, sont vraiment passés du côté des puissants. Et donc, ont déséquilibré l'humanité. En fait, le déséquilibre qu'on ressent dans l'humanité, le fait que les dominants font ce qu'ils veulent partout sur la planète et avec comme apothéose les guerres qui sont réalisées là actuellement, que ce soit en Irak, en Syrie, en Ukraine, au Yémen, en Israël, etc. On voit bien que les dominants sont rentrés dans un système de toute puissance absolue, que rien ne les... voilà, ils n'ont même plus peur d'être condamnés ou quoi que ce soit, ou d'avoir... il y a quelque chose d'aberrant, quoi, dans ce sentiment qu'on ressent là. Et ça, pour moi, c'est la faute essentiellement des médias qui se sont décalés du côté des puissants. Donc, qui, au lieu d'être dans une position centrale entre les puissants et le peuple, donc une sorte de bouclier pour que les puissants ne s'affirment pas au détriment, les dominants ne s'affirment pas au détriment du peuple, qui respecte justement la démocratie, le principe de la démocratie où le peuple est souverain, etc. et les dominants sont à son service. Et donc en passant du côté des dominants, donc de l'oligarchie depuis les années 80, on va dire, depuis que l'oligarchie a réussi à acheter les médias, hein, c'est à partir des années 80 que ça s'est passé. Sous Mitterrand, par exemple, en France, c'était il a vendu TF1 à Bouygues, la 5 à Berlusconi, etc., etc. Et puis à d'autres, Canal Plus à d'autres industriels. Donc, en fait, au patronat, c'est quand on y réfléchit. Donc, c'est le patronat qui a pris l'instrument qui permet aux êtres humains de contester le pouvoir, c'est le troisième pouvoir en fait, les médias. Et donc ce pouvoir là ils l'ont donné au patronat, au MEDEF.
Et c'est c'est quelque chose d'hallucinant, quoi, quand on y réfléchit, en sachant que c'est un socialiste qui a fait cette chose-là. Mais je pense que c'est à ce moment-là, c'est ce qui se passait partout dans le monde industrialisé, en Angleterre, en Italie, ailleurs, quoi. Voilà, ça a été fait comme ça, là, sous prétexte de libérer les médias, ben, ils les ont enchaînés à un système bien plus oppressif que le système politique. Le système politique opprimait les médias avec la censure. Ils disaient ça, vous ne pouvez pas l'écrire. Mais par exemple, ce qui était interdit d'écrire pendant la guerre d'Algérie, les journalistes mettaient un encart blanc en disant voilà, cet article n'a pas pu passer. Donc ils étaient en contestation contre la censure. La censure avait ça d'important, c'est qu'elle obligeait les journalistes de se battre contre elle. Ça dopait leur combativité, leur désir de lutter. Et alors que la corruption, la censure par la corruption du marché, sur CNews, BFM, TF1, n'importe quoi, c'est la censure est là, mais elle est sournoise, en fait. C'est maintenant, les journalistes sont sur des sièges éjectables, ils risquent leur place, ils sont surpayés, donc s'ils risquent leur place, ça veut dire que ils ont un système de vie quand on est payé 10 ou 20 000 balles ou 30 000 balles par mois. On passe dans une catégorie où on ne peut plus tomber, quoi. Si on tombe, on tombe dur. Si on a des loyers à 3 000 balles, si on a des crédits, etc., etc. Bon, bref, on est obligé d'accepter ce que les patrons des grandes chaînes veulent. Voilà. Parce que c'est donc la corruption par le marché est bien plus intense par la corruption, je veux dire. L'oppression est bien plus intense que l'oppression politique sur les médias. Voilà, ça c'était une chose. Alors, et pour parler d'un truc, c'est que dans les années 70, des grèves, il y en avait en pagaille. Et les grèves, la plupart des grèves, elles étaient faites par les fonctionnaires. Beaucoup de grèves étaient faites par les fonctionnaires parce qu'ils ne risquaient pas leur place. Donc, ils pouvaient faire réclamer tout un tas de droits. Et l'évolution sociale, elle était considérable à ce moment-là. Ça n'arrêtait pas. Il y avait des acquis sociaux tous les mois, chaque année, il y avait des acquis sociaux nouveaux qui arrivaient. Les conditions de vie des ouvriers ne cessaient pas de s'améliorer. Entre les années 50 et 80, ça n'a pas arrêté. Il n'y avait pas de régression sociale. C'était que des progressions sociales. Et donc, il y avait beaucoup de grèves. Ça passait par les grèves. Et les grèves des fonctionnaires avaient ça d'importance. C'est que d'abord, elles portaient... Le gouvernement était obligé de céder rapidement. Il ne pouvait pas s'opposer à ces grèves-là. Et puis, ça se répercutait sur l'ensemble de la société. Les gains qui étaient acquis par les services publics se passaient doucement dans le privé. Le privé était obligé de faire monter aussi le bonheur au travail, les acquis sociaux, tout un tas d'avantages, etc. Et à partir des années 80, quand l'oligarchie a pris le pouvoir, quand le patronat a pris le pouvoir sur les médias, eh ben il a mis des journalistes qui ont complètement
réussi à décrédibiliser les grèves, à faire que les acquis des fonctionnaires, c'était une injustice, au lieu de dire, bon, par exemple, au lieu de dire, c'est injuste que l'EDF a un 13e mois de vacances, ou j'en sais rien, qu'il puisse avoir la retraite à 50 ans ou à 55 ans, c'est injuste par rapport aux autres, etc. Au lieu de dire c'est injuste que les autres n'aient pas, que le privé n'ait pas le même statut, donc de tirer vers le haut et donc d'obliger le privé à amener les mêmes acquis qui avaient été gagnés de haute lutte par les fonctionnaires, eh bien, ils ont dit non, ben on va faire régresser les acquis sociaux des fonctionnaires. Et c'est passé crème. Ils ont réussi à amener ce type d'idée dans le peuple. Et le peuple a commencé à critiquer les fonctionnaires, à dire c'est injuste. Comment ils se sont fait manipuler? Comment le peuple s'est fait manipuler? Et c'est là où on voit que la perversion narcissique est à l'œuvre, mais à 100% dans les médias, dans le marché, le système marchand, c'est un système pervers narcissique. Quoi qu'il arrive, c'est globalement, il est comme ça, quoi. C'est son état d'esprit. Et cet état d'esprit, ben, il est passé dans les médias. Et grâce à ça, ils ont réussi à faire que le peuple a dit, ben oui, c'est injuste que les fonctionnaires aient tels avantages. Donc, il faut qu'ils tombent, ces avantages. Au lieu de dire, nous, on veut les mêmes. Avant, dans les années 70, c'est ce qu'ils disaient, nous, on veut les mêmes. Parce que les médias étaient du côté du peuple. À partir du moment où les médias sont passés du côté des puissants, ils ont décrédibilisé les grèves, ils ont commencé à interroger. Il faudrait revoir un petit peu comment les médias traitaient l'actualité des grèves dans les années 60-70 pour voir la différence qu'il y a. Ils ont commencé à partir des années 80-90 à décrédibiliser les grèves, à donner la parole qu'aux usagers qui étaient impactés par ça. Ceux qui commençaient à dire il y en a marre des grévistes, je ne peux pas aller au travail, il y en a marre de ci, etc., etc. Et donc ils ont fait ce genre de choses. Et quand on y réfléchit, eh bien je défie quiconque du peuple français, globalement, qui n'est pas syndiqué ou quoi que ce soit, de comprendre quand il y a des grèves qui passent à la télévision, de comprendre pourquoi les gens faisaient grève, pourquoi la SNCF fait grève, pourquoi l'EDF fait grève, pourquoi, etc., etc. On ne peut, l'accent n'est jamais mis sur les revendications, quoi, globalement. Ça arrive à filtrer, évidemment, qu'on arrive à comprendre, mais on voit bien que les médias ne mettent pas l'accent là-dessus. Ils disent pas, ben voilà, ce qui est réclamé par les syndicats, c'est ça, etc., etc. Il y a telles injustices qui sont, que le peuple soit vraiment informé sur pourquoi il y a ces grèves là. Ces grèves, c'est pas pour faire chier le peuple, c'est pas pour faire chier les usagers. Et quand ils veulent, ils savent le faire. Donc c'est là où on voit que c'est un système pervers. Les médias actuels, on est dans des médias mais totalement pervers, et surtout évidemment les médias qui appartiennent à l'oligarchie, parce que devant les grèves des paysans qui étaient que le pouvoir craignait et qu'il voulait maîtriser et que le peuple soutenait en somme, hein, eh ben ils ont bien adouci les choses, ils ont bien expliqué pourquoi les paysans faisaient grève, quelles étaient leurs revendications, etc., etc. Et donc le peuple a soutenu parfaitement cette chose-là. Et ce qui n'est pas le cas avec les grèves des fonctionnaires, parce qu'ils ne veulent pas de fonctionnaires. Ils veulent surtout pas de fonctionnaires, parce que
le fonctionnaire, il est, on ne peut pas le virer. Il n'est pas sur un siège éjectable. Il n'a pas, il y a pas de, on n'a pas d'emprise. Le gouvernement et puis le patronat n'a pas d'emprise sur le fonctionnaire, vraiment, quand il a le statut de fonctionnaire. Et donc ça, le patronat ne veut pas. Et c'est ce qui s'acharne à faire depuis qu'il a pris le pouvoir sur, le, sur tout le monde occidental. Il privatise tout, en fait. Ce n'est pas une privatisation pour les beaux yeux de, du peuple. Hein. C'est une privatisation pour pouvoir faire ce qu'il veut des ouvriers. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire. Voilà, les amis. Si vous pensez que ça vaut le coup de sponsoriser un peu cette chaîne, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où j'explique un peu tous ces scandales là, depuis 23 ans d'ailleurs, ça fait longtemps que c'est en place. Et puis vous pouvez laisser des commentaires et voilà, critiques aussi, hein, il n'y a pas de problème. Et j'y réponds systématiquement et je les accepte toutes, tous les commentaires. Voilà. À très bientôt, je vous remercie.